Mes frères et sœurs, très chers auditeurs de la radio Télé Trinity, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ capable à vous assurer. Nous sentons nous contents une autre fois encore
pour nous capables ensemble, comme à l'accoutumée, et dans l'heure si là, sous antenne Radio Télé Trinity, chaque jeudi, pour nous partager la méditation de la parole bon Dieu ensemble avec vous. Nous voulons saluer chaque fidèle auditeur Radio Télé Trinity qui fait de radio si là, yon en priorité yo, surtout dans les affaires de l'Évangile, ou même qui toujours coûté partager émission nous yo à yon autre frère, yon autre sœur, que grâce mon Dieu continue de bénir ou. Nous voulons également saluer la sœur Judith Toussaint, notre PDG. C'est yon que bon Dieu a utilisé de jour en jour pour travailler là, continuer à avancer. Mais frères et sœurs, gens ou connaît ou habitué à voir, c'est toujours amis ou frères, Jordani Victor qui a partagé ensemble avec vous et méditation c'est là. Je nous dis là, soyez, c'est une joie, plaisir immense qui a débordé dans le cœur nous et pour nous capables ensemble avec vous. Après une semaine que nous passons, mais je vous dis encore, bon Dieu, bah, nous chance pour nous capables ensemble. Moi, invité vous, frère avec Semyo, ouvrez Bibou ensemble avec nous dans Exode chapitre 7, versets 8 à 12. Exode chapitre 7, verset 8, pour arriver dans 12e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous les verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Parole du Seigneur. Bon, avec Seigneur, dans le livre d'Exode, dans chapitre 6 là, bon Dieu promet le peuple Israël pour retirer dans l'esclavage en Égypte. Pour cela, bon Dieu relève Moïse. Il dit Moïse que gardez qui ça pour le faire Pharaon. Il y a même 800 pour le faire nous quitter pays Égypte. Il dit c'est moi bon Dieu qui te parais devant Abraham, Isaac et Jacob. C'est moi qui bon Dieu tout-puissant. C'est moi même qui te promets yo canaran. Et moi ouais moi tendais misère, peuple Israël. Alors, frère avec Semyo, bon Dieu dit à Moïse, dit peuple là comme ça. Moi, c'est bon Dieu qui a libéré du travail forcé que a fait pour les Égyptiens. Je m'a délivré. Mais frères et sœurs, à Souéa,
Moi, t'as remis dire que bon Dieu, c'est celui-là qui a tout pouvoir. Si là qui a tout pouvoir, c'est lui qui a parlé comme ça ensemble avec nous. Lorsque il dit, il a délivré, il a libéré, il a capacité pour libérer, il a puissance pour libérer, qui te dit, capacité bon Dieu par mesurer, frère avec ce mieux. Pour bon Dieu libérer, il est capable d'utiliser n'importe quel moyen. C'est comme ça, frère avec ce mieux, pour bon Dieu te retirer peuple Israël en Égypte. Ou pour aller que bon Dieu te lagué dispers au pays Égypte. C'est pas totalement des dispers nous pour aller parler à soi. Mais ça qui intéresse nous surtout, frère avec Samuel, c'est que notre Dieu est tout puissant. Li incomparable. Li incomparable fwa kwaksem yo nan attribution li yo. Li incomparable nan œuvre li yo. Li incomparable nan miracle li yo. Li incomparable pou être que li est, pou sa le représenter, pou sa lié a li incomparable. An yen pa ka comparer avec bon Dieu. C'est ça qui fait Jérémie pour le déclarer que m'a cité pour vous dans Jérémie 6 le verset 6. Dans Jérémie 10, le verset 6, il dit « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Jérémie dit « En rien pas comparer avec bon Dieu. En rien pas sembler avec bon Dieu. Ou grand et non grand par puissance li gagne. » Mais frères et sœurs, dans le chapitre 7 que nous sommes lire pour vous, dans le livre Exode là, bon Dieu pour aller de Moïse et Aaron Fouel pour aller devant Pharaon. Et bon Dieu dit que tout ça que moi va dire nous, c'est lui nous va faire. Il dit aller devant Pharaon, si toutefois Pharaon demande pour nous faire un miracle, on va jeter bâton à terre, il va tourner en serpent. Effectivement, Moïse et Aaron, ils ont allé devant Pharaon. Ils ont fait ça, bon Dieu, t'a demandé. Ils ont jeté bâton à terre. Bâton a tourné en serpent. Moi, j'ai l'impression, frère, avec ce mio, Pharaon, dans la période ça, t'es qu'à sentir, lui, fâché, lui, on dit, lui, surmonté, lui, outragé. Parce que, pour deux messieurs ordinaires, qu'on s'arrête devant, pour a fait magie et puissance magique là c'est la Kali, celle qui gère yo. Pour cela Pharaon pourra relayer tout divinol yo, tout magicien yo et Pharaon pourra mander yo pour yo faire même bagaille que Moïse avec Aaron faire. Effectivement mes frères et sœurs, en pile dans yo te réuni, yo récité ça pour yo récité, yo récité vie prière yo. Et effectivement, yo lagué bâton yo à tête tout. Bâton yo te tourné plusieurs serpents. Ça que moi ta remen di ou a soi. Moi ta remen di ou que faire en pile prudence avec et en pile monde jodi a qui utilisait n'importe quelle force impure pour faire des miracles. On peut dire que certes, il fait des miracles, il fait des choses ordinaires, mais Dieu lui-même il fait des choses extraordinaires. L'histoire raconte nous que seul serpent Aaron avec Moïse là, il était englouti tout serpent que magicien Pharaon te faire. Ça montre nous que la force de Dieu ou bien notre Dieu, mes frères et sœurs, est comparable
Aucune force invisible, aucune vieille force, aucune puissance, pas camper devant mon Dieu, non. Et voyez-vous dans les livres de Ésaïe 40, le verset 15, Ésaïe pour le déclarer fort avec Sémio, Ésaïe pour le dire, voici les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme la poussière sur la balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Faut avec Sémio, Ésaïe pour le dire que les nations, les grandes puissances économiques, les grandes puissances militaires, devant mon Dieu, mes frères et sœurs, autant qu'il y a un petit goutte d'eau. Il y a un petit goutte d'eau pour ceux-là qui habitués avec Kaitol. Il y a un petit goutte d'eau qui a dégoûté, c'est comme ça grande puissance militaire, oui, devant mon Dieu. C'est comme ça grande puissance économique, oui, devant mon Dieu. Pour mon Dieu, il n'y a pas rien. Il dit que, il y a autant qu'il y a un petit poussière, vous mettez sur mon balance. Ou même qui montait sur une balance ou pesait 100 kilos, 200 livres. Mais leur petit poussière ou mettait sur une balance n'est pas pesé rien. Imaginez-vous des grandes puissances, pays qui ont pile d'âmes avec ce mio. Ils arrivent pour le dire devant mon Dieu, ils n'ont pas représenté rien. Il dit, voici les villes sont comme une fine poussière qui s'envole. Sous des petites poussières, sous souffler, l'y aller. Les îles devant mon Dieu, c'est comme ça, oui. Ton petite poussière qui a volé. Mes frères et sœurs, à souhait, je t'ai aimé parler avec Frère Haïtien, yo. Frère Haïtien, yo, qui pensait que depuis des années, yo, qu'a fait toute bagaille. Depuis des années, yo. Par contre, l'ordre, ils ont tué, ils ont arraché. Depuis des années, ils ont fait de l'eau couler dans les yeux de la famille. Mes frères et sœurs, je viens de dire à soi, devant mon Dieu, ou pas rien, ça va faire. C'est pour son petit poussière lié. Parce que, y a un moment ou à l'autre, mon Dieu va le dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Et je domine sur la terre. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est incomparable. Rien pas à comparer avec bon Dieu. Aucun faux Dieu pas à comparer avec bon Dieu. Aucun statue pas à comparer avec bon Dieu. Bon Dieu, il est tout puissant. Mes frères et sœurs, moi pas connaître pour un pile monde, peut-être yo puissant par moyen économique yo. Yo puissant par force yo gain, mais toute puissance ou gain pour les hommes, mais devant mon Dieu, ou c'est une poussière. Ça t'a tiré attention en 2020 lorsque Corona fait ravage à travers les pays du monde. En Italie, t'as une famille qui gagne pile l'argent, c'est vrai. Et puis, c'est comme ça m'a regardé dans la télévision, yon monsieur. Maman elle mourit dans le corona, papa elle mourit dans le corona, frère sœur commence à mourir. Il est levé pour aller à l'hôpital, malheureusement l'hôpital déjà plein. Monsieur a décidé d'entrer dans la banque et retirer l'argent gagné. Chiréo l'a gué dans la rue pour dire que l'argent pas capable la vie. Mais frères et sœurs, la vie il sortit dans mon Dieu. Est-ce que vous jamais prenez un petit temps pour questionner l'existence? Est-ce que vous jamais prenez un petit temps pour questionner l'existence terre? Ciel là qui est suspendu, est-ce que vous jamais posé toute question comment le faire comme ça? Est-ce que vous jamais questionner l'air que vous avez respiré? Est-ce que vous jamais imaginé merveille bon Dieu? Yo? Faut avec ce mieux, bon Dieu, incomparable. L'homme a pouvoir pour faire quelques bagailles. L'homme a pouvoir, certes, pour faire des choses. Il est belle, il est agréable à yeux. Je dis à vous qu'attendez, ça c'est merveille du monde, première merveille du monde.
De me dire, yo, tande, ça c'est deuxième merveille du monde. Mais après, yo pas le fait yon l'autre. Qui dit, yo pas dit ça plus belle que ça, yo pas le prend première place. Mais combien de fois, mes frères et sœurs, l'homme fait des choses qui prend première place où ça, bon Dieu fait yo. L'homme, il fait des choses ordinaires, j'aimerais dire là, mais bon Dieu fait des choses extraordinaires. Combien de fois l'homme fait un ciel qui est comparable à ça que mon Dieu fait? Combien de fois l'homme transforme terre pour terre par yo? Combien de fois, frère, avec ce yo, l'homme change la lune, non, la lune par yo pour comparer avec pas mon Dieu? Bon Dieu, mes frères et sœurs, il fait des choses extraordinaires. Bon Dieu fait des choses extraordinaires, frère, avec ce yo. La réflexion que m'a fait, mais l'homme tant intelligent pour qui ça, mes frères et sœurs, il n'a pas fait moun, j'ai mon Dieu fait là. Il y a moun qui tellement gagne l'argent dans le monde si là, et malheureusement qui pas gagne un petit monde. Si toutefois, j'ai la science à développer, la science de café petit monde. Moi, j'ai l'impression que si vous avez payé pour l'argent, vous avez payé l'argent pour un petit monde qui est plus belle là. Vous avez payé pour l'argent pour un petit monde qui est plus intelligent. Mais malheureusement, l'homme n'a pas ce pouvoir, mes frères et sœurs. L'homme n'a pas le pouvoir pour bailler vie. L'homme n'a pas le pouvoir pour mettre souffle de vie, malheureusement. Mais tout ça, il sortit dans bon Dieu. Et qui m'a dit, il faut avec ce mieux, en pile monde, pas aux connaissances, qui a dit par mon Dieu, ou bien qui voulait comparer ou avec mon Dieu. Je viens de dire dans Daniel 2, verset 21. Daniel Poil dit, bon Dieu tellement tout puissant, mes frères et sœurs, il change de temps, il change de circonstances. Bon Dieu, il renverse et il établit, mes frères et sœurs. Il dit, il baille si là-haut qui sage, là, il baille aux sagesse. Et il dit, si là-haut qui intelligent, il baille aux sciences. Mes frères et sœurs, la science, c'est pas le domaine de l'homme, mais c'est mon Dieu qui crée. Rien pas nouveau dans le monde, ça. Tout a été créé par mon Dieu. Nous utilisons la connaissance nous, pour nous transformer. Mais qui t'aime dire, mes frères et sœurs, pas rien qui est comparable avec mon Dieu. Combien de fois vous réfléchissez avec ce mieux de la vie? Combien de fois vous réfléchissez de côté où sorti, côté où y est aujourd'hui? Combien de fois vous réfléchissez avec ce mieux où est grandeur mon Dieu dans la vie? À souhait, moi invité aux mes frères et sœurs. Prends un petit temps pour réfléchir, pour contempler la grandeur, mon Dieu. Où est que personne n'a pas comparer avec bon Dieu? Certes, les magiciens ont fait des choses, c'est vrai. Mais voyez-vous que serpent, yon seul serpent que Moïse et Aaron t'es fait, battre t'es tourné, t'es englouti, serpent, magicien, yo. Mes frères et sœurs, moi je viens de dire, mes frères et sœurs, aucune force n'est pas comparée avec la force divine. Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui a dominé, lui qui a créé, lui qui a dominé le monde. Assoyez-vous avec ce que vous invité. Prends un petit temps pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Prends un petit temps pour réfléchir et façon mon Dieu créé ou est-ce que vous avez l'autre. Est-ce que la science ou est-ce qu'il y a une autre force qui est capable de créer un être humain? Prends un petit temps, mes frères et sœurs, pour réfléchir à soi, où est grandeur et pouvoir, mon Dieu. Avec ce mieux, moi invité, ou même à soi, peut-être, qui entendait parler d'un bon Dieu, mes frères et sœurs, moi invité à faire expérience avec un gros roi, si là, gros chef, si là, avec ce mieux. C'est lui qui crée souffle de vie, c'est lui qui crée ciel là, c'est lui qui crée terre. Et aucune autre force, aucun autre Dieu par comparer là contre Dieu. Ou avec ce mieux, assoyez à m'inviter à réfléchir un peu. Sous la vie, réfléchir un peu. Sous côté ou à espace ou à vivre, réfléchir un peu. Sous ensemble de ça, mon Dieu crée. Pour que personne par comparer à mon Dieu. Ou avec ce mieux, m'inviter à assoyez à l'autre fois encore. Fais la paix avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Immédiatement, on connaît Jésus-Christ, mes frères et sœurs, on va connaître mon Dieu, et que merveilleux va en réalité dans la vie, où, et que la vie va transformer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ l'irrité demeurer avec vous à soi. Et l'autre fois encore, moi, souhaiter que bon Dieu entre la carrière, il transforme la carrière, il transforme la vie, où, et que
ou va yon nouveau, yon nouvelle personne, ou va devenir, mes frères et sœurs, yon l'autre monde en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu li capable de rester en faveur, capable de demeurer ensemble avec vous. C'est des amis ou frères, Victor Jordani, qui t'a partagé mon méditation, c'est là ensemble avec vous, que bon Dieu, l'autre fois encore, rester dans la famille et demeurer dans la famille. Les regards,
les regards en